On se retrouve pour la suite juste après avoir le massacre de Ul. Donc on a tué Ul, le chef des Udam. Et du coup on va aller voir Da, hein. Ça me fait rire les noms. Ok, bon bah c'était pour rendre sa poudre, ça j'avais complètement oublié de lui rendre. On va aller voir notre chaman, qu'est-ce qu'il va nous proposer d'intéressant. J'espère encore une de ses visions hallucinogènes. Ah oui, entre temps, entre le tuage de Ul et tout ça, donc j'ai développé la hutte de Jaima et du coup j'ai pu me fabriquer l'arc à deux flèches, donc l'arc le plus puissant du jeu. Et du coup on va aller le tester dans cette vidéo, ce petit arc qui peut être fort intéressant à jouer. Nakrabi, Hiraki Spada. Mupur Hiraki Slaigua. Palu Mansepa. Quaina Mu Batteris Quala. Nakrabi Udagua. Machi Salwa Urus Dam. Machi, batari shalchimas. Krati dausmas. Prasqua, yahu bacham. Mas prasqua bi. Batari, krati kasha. Batari, krati dwaisa, krati dwaya. Guif wasa krati hutagua. Nusa sushelhail, chashman suchai. Asta guarpeti. Ukratis prasqua waida. Tu sus tugistar. Drauba mas. On va chercher le masque de Batari. En fait, ils ont des noms qui se ressemblent tellement que des fois je me trompe. Donc, qui est Batari, qui est Krati? Mais je pense que Krati ça doit être la meuf et Batari ça doit être. Un dieu ou. Une chose comme ça, tu vois, similaire. Donc là, avant quand même d'y aller, il faudrait bien développer tout ça. Et moi, je vais aller voir ce que veut notre Yurik le penseur. Et d'abord, ici, il y a une quête, c'est qu'il est intéressant. Alors voilà, arc à deux flèches. On va faire un petit test là contre le bois. Ah ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. En plus, l'arc, il est sympa. Sympa, sympa. On va aller voir ce que veut Yurik. Et on va retourner faire la quête du chaman. Saloperie. Ah, je me fais toujours avoir par ces saloperies. Ok. C'est fait. Ouh. Ah oui, effectivement. Mais je l'ai bien blessé quand même. Ah ouais. Mais attends, ça m'enlève combien de flèches en fait? Deux, d'accord. Juste pour savoir. Ça m'enlève bien deux flèches. On récupère un peu de pot de pète. C'est toujours utile. Oula. Elle bouge plus. Hop.
On va récupérer quand même sa peau, c'est vachement utile. On récupère aussi du bois. Ok, nickel. On s'en fout de toi, nous on veut rejoindre Ulrich. Monsieur, je pourrais monter sur ma monture, on irait 3 fois plus vite. Comment on monte là-dessus? Ouais, là. Cette bête, elle nous attaque et après elle veut plus de nous. Apprendre à voler. Comment ça, voler? Winja. Koshawi Warha? Urki Yishwara Kwati Patashta. Winja. Ouapatash, Fupausikon. Ouapatash. Erki, shall we wapatash, Walla deuce deuce? Urki, San Patra. San Patra. San Fupausan Patra. Tap. Tapu Buddha Kuala! Tapu Buddha Kuala! Uurki Sakui! Uurki Sakui Hapatra Daha! To Urki Patash! To Urki Patash! Uurki Sakui Hapatra Daha! To Urki Patash! To Urki Patash! Je crois qu'on a trouvé un dingue, les gars! Alors, comme l'oiseau. Super. Je sens qu'on va avoir encore un débile dans la troupe là. Ok. On va voir ce qu'il nous veut. Je pense qu'il veut qu'on chasse et dépèce des animaux pour la plume. Ouais, nouveau point de récupération. Ouais. Ok, chasser et dépèce des animaux pour Karki. Alors là, franchement, ça va être pouf! Ok. De toute façon là on va juste avoir besoin de cet arc. Ok, alors il me faut un poisson croc. Je l'ai. Poisson croc, c'est fait. L'oiseau, est-ce que je vais l'avoir? Non. Sa tête bête. Alors. Oiseau et jeu. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est ça surtout comme espèce? On va voir ça de suite. Non. C'est une espèce tout à fait normale. Maintenant il me faut la tortue. Et putain de corbeau. Là, c'est bon. Il nous faut maintenant, c'est le corbeau, quoi.
Comment on peut avoir le corbeau? Bon, déjà on va récupérer ça. Carapace de tortue. Ah ouais, tranquille toi. Tu tues les tortues. Vas-y les corbeaux, le corbeau. Il est où le corbeau? Putain de corbeau. Alors là, pour trouver un corbeau, j'espère qu'on va pas prendre une pompe. On a eu le corbeau en plein vol. Et hop, on retourne voir Urki. Il va nous attendre. J'espère pas me faire attaquer par un de ces putains de poissons crocs. Sinon ça va faire mal aux pieds. Voilà, je me suis fait attaquer par un poisson croc. Oh, ça fait plus beaucoup de dégâts. C'était au début du jeu où ça piquait. Oh putain, il s'est pris. Il est revenu le léopard. Bon bah il s'est mis là-haut. Je sens qu'en fait ça va finir en fiasco ce truc de vol là. Vous le sentez pas vous? Je le sens tellement mal. Allez hop, c'est parti. On est prêt à prendre une bête, ok. Urki. Borsta, Buddha Kuala, Borsta. Unu Urki Patra Daha. Uha Darsh. Uha Darsh. Darsh Urki Shawi Wapatash. Allez, je vote qu'il va se casser comme la gueule comme une merde. Palapapa, palapapa. Oh, je pense pas qu'il va crever quand même, mais je pense qu'il va avoir mal. Ah, la petite référence à Assassin's Creed. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais il s'est cassé la gueule. Ah, c'était marrant. Tellement marrant ce con. Putain, il m'a fait marrer. Il m'a fait ma journée. Tiens, on va aller dévorer ce camp. Il a dû avoir quand même. Mais c'est bien la petite référence à Assassin's Creed. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, je pense que tout le monde l'a remarqué. Avec la petite musique qui a commencé en mode. Tin-nin, et. Allez hop, je saute comme un bouffon. Bon, allez hop. Nous, on va foncer direct. Ouais, eux ils allaient faire un garçon je crois. Oh oh. Putain, j'ai de la chance. Normalement le petit corps là-bas il va pas être très difficile comparé à ce qu'on a fait sur les yeux d'âme. Là je pense que je suis apprêté à tout là. Mais je crois que je vais garder mon arc pour l'instant celui-là. Et dès qu'il y aura les gros trucs, je testerai mon arc à deux flèches. Ça sert un peu à rien d'utiliser un arc
À deux flèches contre des ennemis un peu banals, c'est gaspiller des flèches pour rien. Surtout que je rate souvent en plus. Allez hop, c'est parti les amis. On est bientôt arrivé. Plus que 100 pieds. Ouais, par contre, ouais. Ouh. Ok. On va y aller doucement. Les renforts. Mais les renforts ne viendront pas vous sauver. Par contre lui. Ouf. Le Gourdin n'a plus de trop tenu là. Alors mon ami. En fait, ça sert à rien cet arc. Il est mieux l'arc long. Ah, il est pas du tout cheaté l'autre arc. Il est juste pratique. Ouf. Et l'autre. Ok. Bon, moi je récupère mes flèches. Hein. Hop. L'autre ennemi il est où? Oh. Bien visé, mon ami. Ah oui, l'eau chaude ça te brûle. D'accord. Bon, ça va. Bon, bah, je suppose qu'on a libéré la base, mais. Donc encore un ennemi là. Qu'est-ce que tu me veux toi? Petit coup droit là dans la tête. Ta tête à l'affaire. Hop là, plus de tête. C'est dommage qu'il n'y a pas de décapitation dans le jeu. Ça aurait été sympa. Enfin, je suis un peu un connard mais sympa dans le sens. Enfin vous m'avez compris quand même. Ça aurait rendu le tout un peu plus réaliste, ça c'est vrai. Bois dur, pas de bête. On fouille un peu, hein. Okay. Pas mal de flèches. Sur ces ennemis-là. Putain, ils ont. Je les ai bien défoncés. Hop, on va partir après. Sur ça, et on va arriver vers le chaman. Du coup, on sera un peu plus tranquille pour la suite. Hop, je te donne à manger. Ah oui, d'accord, ouais, c'est vraiment. C'était, je crois que tu m'étais pris un poison, mais non. Hop, on y va. C'est reparti. Hop là. On va rejoindre la quête du chaman. En fait ça faut éviter, ça brûle. Du coup on va essayer de. Ouh putain. Ah c'est magnifique, là je préfère quand même. Tu vois un paysage un peu plus beau, un peu plus. C'est du sud quoi, le sud c'est normal, c'est beau le sud tu vois. Là tout à l'heure on était vraiment dans l'hiver où c'est pâle, où franchement c'est bof. Là franchement ça donne plaisir à jouer. C'est beau, c'est magnifique. Une petite balade à deux dents de sabre. Tout à fait normal. Mais c'est magnifique. Et là, normalement, on a le bûcher. Là, je crois que j'ai même pas besoin. Normalement, ça va être assez rapide et assez simple.
Ou même j'entends un petit tigre. Ils l'ont tué là, je pense. Bon, lui, il va aller tuer ses poteaux. Allez, tue tes potes. La technique du berserker. Oh, bah, toi, pas se faire plaisir. Fuck. Ah oui, carrément toi. Tu nous l'as fait à la Marlin l'Enchanteur toi. Ah ouais. Allez, crève. Pareil pour ces trucs là. C'est intuable. Ah mais tu vas pas mourir toi. Ah putain. Il faut vraiment t'en mettre plein hein. Allez hop. On met le feu. Hop, bûchette déverrouillée. Donc petit campement pour les Wanja, avant-poste aussi, tranquille. Donc là on s'approche vraiment. Ok, c'est nickel. Franchement on récupère un peu pas mal de choses sur nos ennemis. Hop, peu de bête. C'est toujours utile. Ok. Ok, ok, ok. Alors, le chaman, il est par là. Et les avant-postes sont par là. Donc, nous, on s'en fout. On va aller vers le chaman. C'est notre boot. Boot ultime avant la fin de cette vidéo. Enfin, la fin de cet épisode. Franchement, je suis content quand même. On avance rapidement. Bon, je sais pas ce que c'est comme espèce, mais j'ai pas envie de tenter. Oh putain non, sors. Ah oui, les chats n'aiment pas l'eau. C'est vrai. On va éviter de le buter, hein, ça coûte cher en feuilles rouges. Et franchement, j'ai pas que ça à faire. Alors, ah oui, en parlant de ça, en parlant de feuilles rouges et tout ça, il y a quand même des compétences à apprendre, messieurs. Alors, dans le menu carré, de plus d'utilité de mission. Ouais, bon, ça m'intéresse pas encore pour l'instant. Ours des cavernes et blaireau. Provisoire avec un apport. Ouais, bon, ça c'est bon. Temps de récupération de la chouette. En fait, je suis pas encore à ce point-là pour commencer une exécution. Puis appuyer sur l'ancienne pour un autre auto. Pour effectuer un. Ah, pour exécuter les puissants chefs. Ah, bah et voilà. J'ai déjà déverrouillé ça. Ça peut être pas mal. Utile. Ce que je trouve formidable sur ce jeu, c'est qu'il est très bien optimisé. Aussi bien sur FX que i7 ou n'importe quel truc, c'est que t'as très peu de baisse de framerate. Entrer dans la grotte sacrée et voler le masque de Krati. Ok, ma gueule. On va y aller. Tranquillement. On prend un peu notre souffle.
On se fait un petit casse-croûte avant de replonger. Est-ce qu'on va réussir à récupérer le masque de Kratu sans violence et sans meurtre? Non, je pense pas. Où est le masque de Kratu? Ok. Je me doutais que ça allait être pas du tout facile. Ah oui. Il y a pas mal d'ennemis quand même. Autant tuer un ennemi, ça peut être utile. Alors. Ah, il y a des trucs quand même dans l'eau. Ok, des feuilles vertes. On va essayer de monter sans se faire repérer. Connasse. Attends. On va attendre qu'ils viennent nous attaquer. Allez hop là, voulez-vous battre? Je suis là moi. Et je vous défonce. Qu'est-ce que tu me veux toi? Putain. Il nous ramène des sous vous amis. Allez hop, je crois que c'est en... Ah, ça... Voilà. C'est vrai que les sagas sont pas mal à... sont pas mal en dégâts, mais... Hop, je prends le petit masque de Kratu. Chelou comme masque. On l'a retrouvé cette connasse. Baisez-nous. Putain, faut que je me casse d'ici moi. Non, on peut pas se casser par ici. Par là, je crois que... Ouais, on peut passer par là. Vas-y. On va passer par là où on est arrivé. Allez. Je veux pas qu'on se fasse attaquer. Ouf, on a eu de la chance. Je m'en serais cassé la gueule. Vas-y, on va se casser d'ici, rapidos. Putain, mais c'est où la sortie?
Ouais, alors là c'était pas ici les sorties les gens, du coup bah. Hop. On se prend un petit casse-croûte. Putain, faut vraiment qu'on se casse d'ici. Franchement. Bon, c'est mon dernier. La dernière chance de sortir de là. Alors franchement, faut pas que j'arrête. Mais je sais pas comment sortir. Donc je suis dans la merde. Ouais, franchement. Où est cette sortie? Alors par là, il y a quoi? Ah voilà, il y a quand même un truc là. Il y a un passage, tu vois. Et on va arriver sur le pont en pierre, exact. C'est bon. Ouf. On va retourner à la base là, je crois que... Ils vont essayer de nous prendre en embuscade. Allez hop! Ils créaient déjà des échelles à l'époque. C'était déjà hyper développé, hein. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Oh la puissance des sagas. Allez, on fonce. En balance. La sortie elle est où? Elle est par là. Putain, faut que je réussisse. J'ai raté. Je sais pas comment j'ai réussi à rater ça. Quasiment plus rien là. C'est parfait. Putain, faut que je trouve vraiment la sortie de cette merde, putain. Ambitieux que ce soit la sortie, tu vois. Ah, c'est bon, je pense avoir trouvé. Oh les idiots. Ah ouais, bon voilà, faut bien retourner au village. J'ai quasiment plus de bois, j'ai quasiment plus rien. Putain, on a rencontré Krati. Kubarata. Kratis. Ah voilà, Krati, on a le masque de Krati. Krati. Ah ouais, tranquille. Machi. Guardati Dwaya. Ahura. Rasquawasa. Batteriguana Parshwa Shaugasam
Agis guaris tausta. Ura bauga habateris dahis nawayaka. Bakar. O sustugestar. Tani daha. Entrée des terres d'Istage sèche du pouvoir de Batali. La force d'un mammouth est requise pour enfoncer les portes. Seul Tensa peut vous préparer à affronter Batali. D'accord. Alors Tensa, je parie, c'est qui? C'est lui là. Pour confectionner des bombes. OD, ok. Il est là. Damsha Bataris. Bon bah je pense que j'arrive vraiment à la fin de la fin. Du coup on a déjà débloqué le dernier boss. Enfin je sais même pas si c'est le dernier boss, je peux même vous dire même pas. Donc il faut attaquer le fort avant. Et du coup moi ce que je vous propose c'est qu'on va retrouver Yurki pour le prochain épisode. Et qu'on va déverrouiller l'avant-poste et le bûcher de la sœur d'Ichu. Et on attaquera enfin ce fort pour enfin faire ses différentes missions et enfin tuer ce boss. Et voilà quoi. Voilà le programme de la suite. Rendez-vous au prochain épisode.